c'est pas assez clair. C'est un jeu de simulation. Les fils me dérangent. OK. OK. Wow. D'accord, c'est où que je dois aller, là? J'ai un méchant chargement. Là, c'est le même chargement que j'avais. Que je dois ramener. Probablement parce qu'il est vide. Là, je sais pas. Pas tout si je vais dans le bon sens. Ouais. Je vais taper le son parce que j'entends pas beaucoup de bruit dans le moteur. Là, je vais peser un petit peu plus sur le gaz parce que on monte. Il y a quand même une pente. Ouais, je vais en faire dans le bon sens. C'est un jeu de simulation de train, comme je vous disais tantôt. Par contre, le temps est compressé. C'est que là, ça me dit 8 heures. Je serais pas assis 8 heures de temps sur l'ordinateur. Là. C'est compressé. Là. Ça va à peu près me prendre une demi-heure à peu près pour me rendre à Strasbourg. Ah ouais. Mais avance. Oui, t'es capable. En tout cas, une chose est sûre, les trucks européens ne sont pas aussi forts que les trucks que j'ai ici, au Canada. Oh, wow, whoops. Ok, je suis sortie de la clairière, là, je me rends tranquillement pas vite. Pour être capable de voir un petit peu plus loin. Ben, je sais pas si des chevreuils, des cerfs pour vous, qui peuvent me sauter dans la face. Si je rentre dans un char. Les chars sont pas très coopératifs parfois. Tu tasses, puis la première chose que tu sais, c'est que tu as passé sur un véhicule. Hier, j'ai fait jouer quelqu'un qui m'a fait faire un tour d'eau. Ouais. Hein, la poupe, t'es pas la seule qui fait faire des tonneaux!
compliqué. Oups, j'allais trop vite. Puis, on s'entend. Un camion, ça brique pas comme on veut. C'est vrai, moi j'ai... Un instant. Attends, c'est-tu le piton-là? Je sais pas c'est quel piton que j'ai attribué pour ça. Configurer parce que ça peut être assez utile. Frein de remorque. Joystick 3. C'est lui. Ouais. Fait qu'il... De pas... Il est activé de quoi plus de temps, je sais pas. Bon. Là, c'est bon. On va se rendre à Strasbourg. Désolée si je parle plus trop à partir de ce moment-là. Là, la limite des vitesses est 60 et moi je roule à 90. C'est normal, ouais. Puis, notez, les trucks sont à peu près tous barrés à 90. Là, oui, ils montent un peu plus haut parce que je descends des pentes, là. Ben, descendre ça à 60. Je vais lâcher le gaz un peu. Puis je vais me placer pour tourner. Il n'y a pas beaucoup de gens sur la route. Poste à gaz et tout. En ce moment, j'ai pas trop besoin de gazer mon véhicule, mon camion, parce que. Ouais. Mais de toute façon, comme c'est là, comme j'ai pas trop ma compagnie, fait probablement que le gaz. Il y a quelqu'un qui décide de me dépasser. Les chars là-dedans sont assez dangereux. J'ai quelqu'un devant moi, ça va me dépasser, ça va venir me couper. Ben, il va falloir que je tourne dans pas long. Fait que je vais commencer à briquer. J'ai trop briqué en fait.
esquiver son flasher en retour. Hein? Non. Ah, il pleut. Fait qu'on va mettre des wipers. Ben, je joue pas en ligne. Hein? Ouais, ton mec, il est... Wow. Il est bien bizarre, lui. Non. C'est juste que c'est pas comme un char. Un char, tu peux lâcher la stérée. Il va rester centré. Un camion, c'est pas ça. Toujours checker dans ces rétro. Ouais, mais camion c'est pire qu'un char. Parce que vu que. Ben là, ça dépend des camions. Dans lui, j'ai pas trop d'angle mort. J'ai un angle mort une fraction de seconde. J'ai appris quelque chose avec ce jeu. En Europe, les camions n'ont pas de nez. Ici, ouais, ici, les routes sont plus larges. Tu peux plus. Mettons que ça fait pas juste la largeur du camion. T'es mieux de rester là, le char. Ici, les routes sont un peu plus larges, en tout cas assez larges pour un camion. Et les camions ont un nez. Ben, en tout cas, pas tous, il y en a qui n'ont pas de nez, là, je sais pas qui. Mais en général, les camions ont un nez ici. Facilite un peu à jouer à ce jeu, c'est que j'ai un volant. J'ai le... Ouais, j'ai le G27. Racing Wheel. Ouais, je tic.
autre affaire aussi que qu'on peut peut-être considérer comme de la triche, parce que je sais pas si ça existe vraiment. Faudrait que je demande à quelqu'un qui s'y connaît plus. Là. Je joue automatique. Parce que jouer manuel, premièrement, ma transmission, elle a juste 6 vitesses. Un camion, ça en a 12. Faut que je pèse un piton pour être capable d'embarquer sur les 6 dernières vitesses. Puis, faut jouer avec la clutch. En fait, comment on dit clutch en français trans? Son embrayage. Merci, mon amour. Il faut jouer sur l'embrayage, puis il faut jouer avec les vitesses et tout. Fait que c'est pas facile, mettons. Surtout que mon pad pour les pédales, c'est un peu moins large que les trucs réels. La chaise n'a pas son temps à rouler par l'arrière. Alors, je peux enlever mes wipers et arrêter. Parce que j'avais pas mis mes phares. Ouais, je les avais pas allumés. Question pour toi, ma chérie. En Europe, là, tu sais, mettons, t'en vas à Strasbourg. T'as-tu juste une sortie pour Strasbourg ou alors tu peux en avoir plusieurs? Non. Ok, parce que dans le jeu, ça te les montre pas, hein. Dans le jeu, tu sais, ce que je trouve dommage, c'est que, mettons, tu manques ta sortie, ben, t'es dans marre. Ça te montre des possibles chemins si on regarde mon GPS qui est dans le coin à droite. Mais non, c'est pas comme les jeux de char qu'on a l'habitude de jouer, les jeux de course où t'as 46 sorties pour pogner ta ville. Comme si je me watch pas. Que je manque ma sortie, ben, faut que j'essaie de me trouver un moyen pour me refuser de bord illégalement. Je pense qu'il n'y a pas de police, hein? Elle a tourné sur un feu rouge à la gauche, à droite. En Europe, on n'a pas le droit de faire ça? Parce qu'ici, au Québec, je sais pas. Dites-le nous, ceux qui ont des chances, si on a le droit ou pas de tourner à droite sur un feu rouge. Mais ici au Canada, on a le droit de le faire. Ouais, sauf restriction de telle heure à telle heure. Parce que, mettons, de 7h à 5h, on n'a pas le droit de tourner à droite. Mais après 5 heures du soir, on peut tourner à droite facilement.
Ben oui, je sais, j'ai empiété sur la route. Ah non, non, ben non. Alors, ça veut dire que j'ai empiété sur ton ordi. Ben non, voyons, chérie. C'est à toi de me dire, dégage de là, faut que je fasse des montages. Ça pourrait paraître un peu, comment dire, hors. Là, j'ai manqué ma sortie. Là, je vais aller faire quelque chose d'illégal. Ne hurlez pas après moi. Dangereuse. En fait, je vais refaire un épisode, ok? Non, je vais... bon, si ça vous intéresse, dites-le. Si vous intéresse pas, c'est pas grave, gardez. C'est vrai que sur les premiers abords, ça pourrait paraître comme un jeu assez plat. Pancarte, sinon ça va. J'ai trouvé une pancarte. Tu sais, là, il va avoir un... Tu sais, c'est vrai que... Non, sérieux, pour certains, je suis sûr que ça va paraître un peu badly et un peu chiant sur les bords. Oui, c'est ça. Ça dépend du bon. Moi, je trouve ça intéressant. Oh, ça trouve ça intéressant.
sont sans dessin. Il y en a un qui essaie de me dépasser, il y avait un camion qui s'en venait. J'accrochais à des pines de fer. C'est le bord du chemin. Merci. Tant que mon truc n'explose pas, je pense que c'est bien correct. Je sais pas si c'est vide ou si c'est rempli. On demandera à la poule. Ça y est déjà arrivé! Pas là, puis tu vas être capable tout seul sans que je sois obligé de te stationner.
accrochés. Encore accroché.